Bonsoir tout le monde, jeudi, c'est lundi 2 avril 2018. Bienvenue dans le journal Mitan Généan sur télévision nationale d'Haïti. Concernant festivités Rarayo qui arrivent dans Boutio, ayez dimanche 1er avril 2018 là dans tout le pays, il y a diverses activités culturelles qui étaient organisées dans plusieurs zones dans le département nord-ouest là. Dans l'idée pour bailler Jaret à Rara qui s'y en branche dans Vodoua. Il y a un cultiste dans cette yo mouri quitté. Marc Edio Sam a ban nous plus de détails. C'est cap au comité socio-culturel dans Beauchamp, localité, dans 7e section maroutière commune Port-de-Paix, qui réalisait 20e édition concours à Anissa. C'est occasion pour bande qui était sortie dans différents contrées dans la commune, exprimer misère et souffrance population à travers chants, musique engagée et déguisement. Une activité qui doit réveiller la caille chaque participant, esprit nationaliste et patriotique dans quatre batailles pour qu'un souveraineté pays, d'après Momis Diogène, qui est coordonnateur comité. C'est à travers Tunisie, à travers l'élection, l'idée de bataille est l'arrivée de jeune indépendance. Vous avez fait, je dis, nous parlons de Fini Boris pour que nous venions faire une sept activité. Mais nous venons pour nous capables de bataille, pour que le pays a lui-même. Nous sommes un pays qui fort, nous sommes une nation qui fort. Nous avons respect devant toute nation, même si nous avons un ensemble de problèmes qui traversent ce pays. Dans Andro, localité, dans la deuxième section Sous-Beauvoir, commune Chansol, même Katel Kazan. Exonant sous patronage député fils Joseph réalisé première édition concours à Rayo, yon activité qui te réuni environ yon dizaine bande rara ak plusieurs milliers moun ki devine assister. Coordonnateur Kazekla Darizé Michel-Ange réjoui pour façon activité ça te déroulé. Honorable député fils, bon moi rien pour me faire genre des activités ça au noua. Chaque bande ça ou qui a dansé là, sa premier nous baille $2,000, 1,500, 1,000, gen bande nous baille $500. Activité rara bien passé normal. Sous Bopal, vice-délégué arrondissement pour le père Gentino Ensegno souhaite Rara rentrer dans l'île budgétaire pays, ça qui permet de jeunes moyens pour organiser Rara chaque année sans trop de difficultés. Depuis Cité Capo la mort pour le père Mok Edi Osam, antenne télévision l'État. Merci Marc Edi Osam. L'autre information dans le journal là, sous initiative Première Dame République là, font assistance économique et sociale, distribuer kit alimentaire bay moun ka viv nan plusieurs quartiers dans Port-au-Prince. Yon geste solidarité pendant fête Pâques là. Sabine Jean-Étienne ak Jean-Naël Duvernay a présenté nous yon reportage. Distribution kit sa visé pour bay kek fami ki pa gen moyen possibilité pour manger la caillou pendant fête Pâques là. C'est une initiative Première Dame République la Martine Moïse à travers Fonds Assistance Économique et Sociale. Distribution kit sa fait dans commune Carrefour, Pétionville, Tabar et Thomasin. Moi venant le bon pour manger. Est-ce que tu viens manger? Oui. Qui soit prêt à le faire? On va le manger. Rapidement quand même, oui. Nous remercions ça parce que nous allons manger aujourd'hui pour nous manger. Je dis merci. On va manger la première fois. Pourquoi pas que l'on va prévoir rien pour manger? Non, non. Mais qui sont les petits gens qui vont faire ça au pouvoir? Je dis merci beaucoup. Kitsao gen la donne plusieurs produits alimentaires, tant que du riz, l'huile et spaghetti avec pâte de tomate. Association médicale haïtienne a paré pour fêter 70e anniversaire. Dans l'occasion, ANMH a annoncé une campagne de sensibilisation. Un reportage Saint-Croix Paki a présenté. Objectif association médicale haïtienne, c'est assurer formation continue pour professionnels santé, organiser activités scientifiques et puis renforcer l'éducation sanitaire. Président association médicale haïtienne, Dr. Jean-Hugues Henry, fait qu'on est satisfait pour le travail association réalisé dans ce sens pendant l'année passée. Les renouvelés volonté pour continuer sous même lancé, président AMH là, profiter pour présenter diverses activités, yo prévoit organiser pour marquer date 70 ans association. Période dans l'année 70e anniversaire, ça, nous avons plusieurs activités qui étaient programmées. Et bien évidemment, activités scientifiques, nous, parce que nous rentrons dans ce que AMH gagne comme objectif. Contribuer à formation continue membres. Mais nous avons dit tout que la semaine dernière, nous avons gagné plaisir accueillir ici là des étudiants finissant des facultés de médecine reconnues en Haïti. Ou pas gagné
si nous avons fêté 70 ans jeudi, eh bien, nous espérons que nous avons un pilote 70 ans qui a bien encore. Et bien évidemment, pour que ça soit possible, il faut que nous gagnions des jeunes, comme par exemple ces jeunes qui sont avec nous là-haut, jeunes membres d'association, hein, qui ont même été d'ailleurs membres du comité 70e anniversaire SAR. Après le jubilé, ce qui est fait chaque année pour les médecins ayant complété 50 années de carrière médicale, donc exceptionnellement pour l'année 70e, on a bien deux jubilés, il y en a qui a fait le 7 avril et on l'autre qui a fait un petit peu plus tard. Et bien évidemment, pour toute cette année, nos activités scientifiques vont se poursuivre et nous allons gagner tout pendant l'été ça, pour la première fois, des cours spéciaux qui vont faire essentiellement pour les jeunes professionnels, soit en rapport direct avec la médecine pour être capable de rentrer dans le cadre de formation continue en tant que professionnel, mais également formation tout sur des thématiques importantes comme l'introduction à la recherche, les techniques de documentation, etc. etc. Santé population était principale préoccupation tout travail santé. Dans ce sens, Dr Greta Latayad Roy profite d'un ensemble d'explications sur plusieurs maladies, tant que hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, à comportement population doit adopter face à maladie ça. Yo. Il y a des maladies que vous voulez ou pas voulez, qui tombent sous vous sans volonté. Yo. Mais il y a d'autres maladies que vous-même êtes capable d'aider tête ou pas prendre. Vous voulez parler de hypertension, vous capable d'aider tête ou par comportement. Haïtien mange trop de sel. Il y a un confrère qui tout le temps a une conférence sur ça. L'homme haïtien dit ou du haïtien manger peu de sel, moi si me goûter le moelle salé. Donc ça veut dire que haïtien définitivement manger trop sel. Yo manger en plus cube Maggi. Tout ça c'est des problèmes que yo y a. Parce que haïtien pour yo pas tellement chercher manger qui pour bailler la santé, yo chercher manger gain bon goût. Donc dans bon goût, l'homme de ti moun moi-même pas qu'on a fait cube Maggi. Mbat qu'on a fait même pas de tomate, c'était maman t'a montré comment bouter font viande pour en couleur en dans chaudière ou pas manger cube Maggi, c'était poireau, persil, de baie comme ça, t'a manger en pile l'ail. Mais kounya sou ba moun font manger pour premier bagage di ou madame oublier quitter l'argent cube Maggi. Donc faut moun yo changer de comportement définitivement. Avant journée 8 avril, la, côté association médicale haïtienne a bien pour organiser 65e congrès annuel sous thème l'offre de soins en Haïti vers la couverture sanitaire. AMH a réalisé mardi 27 mars là, une journée porte ouverte dans objectif pour sensibiliser population sur importance santé action sanitaire. Consortium CARE-AIDI, Action contre la faim, Programme alimentaire mondial à World Vision remettre direction départementale ministère affaires sociales qui baptisé Corée la ville étape gérée depuis plus passé 4 années dans communance rouge passation programme sécurité alimentaire sa fête fin semaine passée dans occasion yon cérémonie qui était déroulée dans direction départementale Mast la Tibonite là Exalus Mergena pour plus de détails. Programme ça qui baptisé Corée la ville, c'est un programme national sécurité alimentaire qui a pour objectif aider gouvernement haïtien dans effort qu'a fait pour aider plus passer 18 000 familles pauvres qui ont problème manger dans au moins 5 départements dans pays hein qui c'est la Tibonite, Nord-Ouest, Centre, L'Ouest et Sud-Est. Programme ça Consortium CARE Haïti, Action contre la faim, Programme alimentaire mondial à World Vision t'a géré depuis plus passé 4 années pour qu'on est là sous contrôle ministère affaires sociales. Cérémonie passation programme ça que gouvernement américain a financé à travers USAID. Fait la fin semaine passée en présence plusieurs responsables ONG à quelques autorités locales. Directeur Agence américaine pour développement international là dans le pays d'Haïti, Janet Thomas dit, c'est un plaisir pour le gouvernement américain travailler ensemble avec l'autorité haïtienne pour supporter les familles qui en ont besoin. Depuis octobre 2017, le MAST a repris la gestion directe et transparente de Corée la vie dans l'Archipelite, continuant à servir les citoyens et les plus pauvres en assurant la distribution et la supervision des coupons alimentaires. Depuis et de plus en plus, le rôle de l'USAID et celui de notre partenaire d'exécution CARE s'est éloigné de la gestion des programmes et
tourner vers le renforcement des capacités. Responsable USAID a plus loin annoncé gouvernement américain a travaillé avec le ministère Affaires sociales pour connaître qui l'autre programme qui a garanti sécurité économique famille défavorisée. Et nous sommes déterminés à travailler avec le MAS sur le processus de transition jusqu'en septembre 2019. Et j'espère que c'est possible de continuer avec le partenariat plus loin de 2019. Ça, c'est la priorité du gouvernement des États-Unis et continuer avec un partenariat plein dans tous les secteurs beaucoup plus large. Dans le département de la Tibonite, programme Courir la Vie a exécuté dans la commune en Rouge. Grâce à ce programme, ça, en pile famille dans la zone ça, joue un coupon alimentaire qui aide à combattre la malnutrition et puis fait activité commerciale qui permet aux jeunes l'argent pour payer l'école Simoun, Action Santé. Exalus Merjuna, Gonaïve, Télévision Nationale d'Haïti. Responsable l'école sanitaire et sociale EPSS, organisé 7e journée porte l'ouvrier. C'était occasion pour responsable parler d'institution à présenter vision, mission, formation EPSS à pour frigenio et puis faire population connaître importance métier sanitaire et social dans pays à tant coup auxiliaire vie sociale et scolaire, secrétariat médico-social, aide médico-psychologique, langue signe. En suivre. C'est une activité de journée porte ouverte que nous organisons. Nous ça 7e journée porte ouverte nous pour nous capable parler haïtien. De métiers que nous offrions, qui sont des métiers qui sont très innovatrices, des innovateurs, des métiers qui sont révolutionnaires en Haïti, éducateurs spécialisés, auxiliaires de vie sociale, secrétariat médical. Donc c'est raison ça qui fait que nous organisons autant. Et je dis à nous, à 7e, nous, j'aime dire, pour nous capables de parler mon mieux de métiers que nous offrions et puis permettre que les Haïtiens soient capables d'avoir l'autre vision de métiers santé. Ce que nous essayons de faire, c'est d'enseigner de nouvelles méthodes. Parce qu'en général, quand les gens pensent à la santé, ils voient toujours médecins, infirmières. Mais nous avons d'autres cadres, d'autres sections de la médecine que nous offrons. Et c'est la première fois que plus ou moins nous les offrons. Par exemple, on a l'auxiliaire de vie sociale, on a le secrétariat médical, on a la section psychologique. Ce sont des métiers. Par exemple, les jeunes, quand ils sortent, s'ils n'arrivent pas à rentrer à la faculté de médecine, s'ils n'arrivent pas à rentrer à l'école des infirmières ou bien auxiliaires, ils sont coincés. Mais maintenant, nous ouvrons une nouvelle porte, une nouvelle vue qui peuvent rentrer et puis faire partie de la santé. Directeur communication, l'école profession sanitaire et sociale EPSS, dans l'occasion, a annoncé un ensemble d'activités, institutions à gagner en perspective, parmi eux, une session qui a commencé dans fin mois avril là. Directeur communication Antonio Rival parle tout sur une série avantages, quel que soit étudiant qui vient inscrire pour session avril là à bénéficier. Il fait connaître EPSS joigne un financement à l'étranger à partir 50% pour session avril là. Un extrait dans micro Rachel Saint-Fort. Nous sommes une jeune institution. Activité nous a lancé à partir de octobre 2017. Déjà nous gagnons une promotion en auxiliaire de vie qui à peine a terminé là pour mois d'avril là qu'a commencé hein? Et puis graduation yo a fait d'ici juillet et nous gagnons trois sessions, trois classes qui en formation déjà. Si c'est pour auxiliaire de vie, dès qu'il fait la classe de troisième seulement, il est capable de venir. Mais pour l'autre profession, il faut qu'il y ait un baccalauréat. Et un avantage que nous gagnons, c'est que nous gagnons financement à l'étranger de 50% à partir de session avril. Ce sont des institutions qui gagnent deux orientations. Une orientation haïtienne et une orientation internationale. Après graduation, nous, meilleurs étudiants, nous gagnons possibilité pour aller faire stage en France. L'autre dossier dans le journal là, dans l'occasion anniversaire Constitution 1, président public la Jovenel Moïse, souligné Maman Loi PIA, c'est un instrument vive ensemble. Chef l'État, quoi, il est nécessaire pour tout passer main qui t'a dû faire dans Constitution 1, doit venir après Chita parler en tout secteur dans la vie nationale là. Amis téléspectateurs, c'est sous notre ça, on a observé un coup de pause dans le journal là, été branché, n'a pas tourné dans un petit moment.
L'actualité sportive, la football, Violette AC fait une belle victoire sous club sportif Saint-Louis hier après-midi dans le stade Silvio Cato, dans l'occasion 3e journée championnat national 2e division 1. Et puis à l'étranger, championnat d'Espagne, Argentin Lionel Messi sauvé FC Barcelone face à Séville, alors que Real Madrid fait victoire sous équipe Las Palmas là dans l'occasion 30e journée. Nous invitons à suivre. Dans la caille messieurs yo a disputé tournoi international Kasova dans pays Suriname sorti jeudi 29 mars passé pour arriver journée mardi 3 avril 2018 là pour premier match dans compétition protégé Ralph Adolfio t'a perdu devant Barbade 3-7-0 28-26 25-19 25-21 dans deuxième rencontre li équipe haïtienne t'a battu Trinidad et Tobago qui c'est une équipe favori compétition 3-7-0 25-23 25-21 25-19. Hier soir, dans le cadre du troisième match, la sélection volleyball a dominé le pays organisateur Suriname 3-7-1, 25-19, 25-21, 24-26, 25-23. Haïti a bien pour jouer final tournoi Kasova, assuré à 9h contre Martinique. L'autre nouvelle, Violette Athletic Club imposé le 3-2 face à Club Sportif Saint-Louis dans le stade Silvio Cato pour le faire deuxième victoire dans le championnat national football 2e division dans l'occasion 3e journée compétition, journée dimanche 1er avril 2018 là. Depuis dans 16e minute de jeu, Elivens Desjean t'a ouvert score pour formation saint-louisienne. Non. Doyen club haïtien qui était paraît agressif devant un public motivé, qui marqué des goals par Peterson Junior dans 30e à 40e minute de jeu pour renverser situation avant Jean-Gadi Innocent égaliser sous penalty pour coéquipier Bilou Petit Frère. Violette Athletic Club qui était paraît plus physique dans match là, t'après le marqué un troisième goal dans 86e minute de jeu par Steve Saba pour arracher victoire 3-2. Dans le pays l'autre bord de l'eau, dans une prison allemande qui est le Neumünster, ancien président Catalogne dans Calais Puigdemont, attend pour la justice prononcer sur extradition pour pays Espagne le 10 avril 2018 là. Ancien président inquiété en pile sur extradition. Nous invitons à suivre un reportage. Ancien président Calais Puigdemont inquiet pour avenir selon un député allemand qui t'est rendu en visite hier dimanche là. Parlementaire a fait connaître ancien dirigeant inquiété pour intégrité physique li dans pays Espagne. He is worrying Calais inquiété pour pas tourner dans pays Espagne côté yo katou arrêté parce qu'il pas compte s'il a joigne un bon traitement. C'est point qui est important pour ancien président d'après député allemand Dieter Dimpf. Ancien président a fait circuler un message sur compte Twitter li depuis la prison liéa pour le faire connaître li pas abandonné. Plusieurs manifestants te prennent la rue hier dimanche dans Berlin pour porter soutien au bail ancien président. Il y a une façon pour demander libération qui risque de prendre 30 ans de prison si on transfère dans le pays Espagne. Ministère Santé publique et population en tête collée avec député circonscription Léogane clôturé samedi 31 mars là une clinique mobile été réalisée dans occasion festivité Pascal là. Dans l'occasion, le ministre de la Santé, Dr. Marie-Grette Awa-Clément, et le député Léogane Jean-Wilson Hippolyte, exprimé satisfaction pour bon déroulement de l'activité. Des autorités promettent qu'ils prennent le travail pour continuer à accompagner la population. Ils extraient dans le micro Colo Elizer. Dans la commune de Léogane, lorsque nous avons gagné information, le ministre a fait un pile effort pour te joindre moi, pour te annoncer que. Faut nous faire tichiter ensemble parce que nous te connais parler de misère population léoganaise dans problème santé que yo gagné et nous en font garder parce que gagne rubrique dans ministère là l'état est compté à travers payant et organiser des cliniques mobiles et mais le tour de Léogane nous te choisi vraiment et période ça qui c'est période Pascal là pour que dans moment festivité ça que nous connaissons gagne en pile cas qui t'a nécessité et soins santé. Donc, nous avons choisi dans le moment ça pour nous faire. Vraiment content, le ministre a mobilisé tout le staff, li, et moi plus qu'une centaine. Bon, je dis en particulier, moi c'est vrai, j'étais au nombre de 75, mais je dis c'est plus qu'une centaine parce que même mon cabinet ministre, moi, j'ai impliqué donc, dans le travail là, parce que nous gagnons plus de monde et je ne veux pas aller pour ne pas
tout le monde qui est présent là aujourd'hui, hein, vraiment content. Et gros événement ça. Et en pile monde les organes joignent soin. Vous pouvez le comprendre. Il y a un pile monde qui a souffert dans la commune. Il n'y a pas de corps pour payer soins santé. Il n'y a pas de aller dans l'autre hôpital privé. Nous avons cité Sainte-Croix qui sont l'hôpital privé. Et l'hôpital Kamejo, Kajo, qui sont l'hôpital privé, pour me citer que ça. Donc il y a des monde qui viennent et yo constaté c'est des gens qui t'a souffri longtemps avec des maladies mais qui joignent soins santé dans moment ça vraiment satisfait. Directeur général santé publique là docteur Lauré Adrien salue dévouement personnel qui était impliqué dans l'organisation Clinimobixa pendant renouveler engagement pour permettre population les organes joignent bon soin. Nous invite au suivre en bout dans déclaration. Premièrement, il y a un gros besoin. Donc, si vous regardez les valeurs de qui viennent prendre service là. Deuxièmement, il y a des dirigeants qui pensent pour porter une solution à un problème. Faut dire nous, faire une clinique mobile, c'est bon bagage qui est facile. Vous regardez là, ouais, ça m'a dit un pile matériel, équipement, ça m'a dit un pile monde, ça m'a dit un pile intrant. Objectif pas nous, c'était si nous avons marché faire ça dans tout le pays, c'est l'idéal. Parce qu'en attendant que nous mettions des centres de santé ou bien de l'hôpital, pour offrir soins en sous-place, si nous-mêmes nous avons marché à l'hôtel, c'est l'idéal. C'est la première étape. Là. Deuxième étape, là, c'est faire que la clinique mobile remplisse ça après les rôles, c'est-à-dire aller côté que les gens ne peuvent pas déplacer ville jeune. Vous d'accord dans ce sens, ça, venir nous les organes aujourd'hui, hein, sont première étape. Même si les organes tout préportent au prince, mais ça montre qu'ils ont besoin de gagner. Donc c'est ça, nous avons créole bien préparé à la là. Donc, besoin, il existe non seulement les organes, mais il existe tout dans l'autre côté dans le pays. C'est pour ça que je regrette, je ne peux pas promettre député à qu'il n'a pas venu plus souvent, parce qu'après nous sortir les organes, probablement de l'autre côté. Ce n'est pas probablement, sûrement de l'autre côté qui a besoin de nous, que nous allons obliger à aller là-dedans. Eh bien voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à rester branchés, Télévision Nationale d'Haïti, pour suivre cette programmation. Bonsoir tout le monde.